effet digne de Star Wars. Jean-Louis Miette et François Papineau font partie de la programmation 99-2000 du TNM, dont les détails ont été annoncés hier. Herbie Moreau les a rencontrés, ainsi que le photographe André Cornelier, lors de sessions de photos pour les affiches de la prochaine saison. La réputation du photographe André Cornelier n'est plus à faire. Ses photos de mode et de publicité sont partout, mais c'est surtout pour ses portraits d'artistes qu'il s'est fait connaître. Quand j'ai commencé à faire de la photo, j'ai commencé à faire de la photo de théâtre. J'en ai fait pendant 10 ans. Je faisais des spectacles, je faisais des affiches, je faisais tout ça. Bon, je me suis éloigné de ça parce qu'à un moment donné, faut vivre aussi. Je suis... Les directions qu'on nous a données, le metteur en scène, c'était vraiment le combat, l'homme puis la nature. Nous autres, c'est sûr qu'on l'a vu sur son bateau après 10 ans, qui se promène, la vague qui vient de repasser par-dessus le bateau, le vent. Donc là, tu as élaboré le concept avec le metteur en scène. Comment ça fonctionne? Parce que je vois beaucoup de monde autour. Puis photographe, ça aime avoir le dernier mot, mais est-ce que toi, tu peux avoir le dernier mot? Bien, le concept a été établi par l'agence de publicité, par Sylvie Barrière et de chez Cossette. C'est l'affiche pour l'abonnement, puis c'est l'affiche aussi pour le spectacle. Mais c'est parce qu'il faut qu'il tombe. C'est ça, oui. C'est comme ça, c'est vraiment, ouais, faut que tu ailles vraiment au bout de ton mot. C'est ça. Tu travailles d'une façon assez différente, c'est-à-dire que tu travailles avec une photo à la fois. C'est pas le snapshot de 30 photos secondes. Alors on fait une photo, on la développe, on la regarde, et puis là, on retravaille la prochaine en fonction de celle-là. C'est comme faire du dessin, en fait. Hein? On fait une première esquisse, on l'aime pas, on en fait un autre. Je suis pas staff. Donc, du liste, tu passes à Falstaff. Est-ce que c'est un autre mandat différent ou c'est toujours dans le même ton? L'atmosphère est totalement différente. C'est sûr que la lumière, ça ressemblera pas du tout. Bon, Ulysse était dehors sur son bateau dans la tempête. Ici, on se retrouve dans une taverne avec du monde qui boive. C'est ça, mais toi, fallait la même chose que tu faisais. Moi, ça m'a l'appris. Ça sort au mois d'avril, en fait, le 13 avril, je crois. Oui, c'est d'abord la campagne de presse. Le spectacle même, c'est pas mai de cette année 99, c'est mai 2000. Alors, on prend de l'avance, comme vous voyez. Quand tu sens des gens autour de toi qui sont là à chaque minute de dire « Non, moi, j'aime ça, moi, j'aime pas ça », est-ce que tu veux pas avoir une liberté d'expression aussi? Au bout de la ligne, je fais quand même un peu... ce que tu veux. On leur dira pas. Ils regarderont pas l'émission. Pas sûr. La comédie...